Bonjour les amis et bienvenue dans cette petite vidéo où nous verrons en quelques minutes seulement comment changer la signature d'un document Word ou la signature d'un PDF déjà enregistré. Par exemple, vous avez ce document Word et vous voulez changer sa signature. Que faire? C'est ce que nous verrons tout au long de cette vidéo. Je vais vous inviter avant de commencer à vous abonner à la chaîne Exponentielle Technologie pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que faire donc pour pouvoir changer la signature d'un document Word? Pour cette vidéo, par exemple, j'ai utilisé une version de Microsoft Office Word qui n'offre pas la possibilité de pouvoir remplacer l'image. Donc, que faire? Ce que nous devons faire, c'est sélectionner la signature en question, puis supprimer. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, c'est simple, ne vous inquiétez pas. Nous allons nous rendre dans Insertion et cliquer sur Forme, sélectionner un rectangle et dessiner un rectangle qui couvre tout l'image, comme ceci. Et dans les contours, nous allons mettre sans contour pour avoir ce blanc-ci. Ensuite, nous allons nous rendre dans Insertion et nous allons insérer notre image que nous avons nous-mêmes dessiné, c'est-à-dire notre signature que nous avons fait au stylo et que nous avons filmé. Nous allons l'insérer dans la hauteur. Nous allons mettre une petite hauteur. Nous allons ensuite cliquer sur rayonner pour pouvoir réduire la taille de l'image. Comme ceci. Dans position, nous allons mettre cette position-ci. Nous allons cliquer ici pour pouvoir faire rôter l'image comme ceci et nous allons positionner là. Nous allons ensuite venir sur recolorier et cliquer sur couleur transparente, puis nous allons sélectionner la couleur que nous voulons faire disparaître. Une fois ceci fait, vous n'avez qu'à enregistrer votre document Word. Cliquez sur enregistrer. Si vous êtes plutôt en face d'un document PDF où vous voulez modifier la signature, que faire donc? C'est tout aussi simple, nous allons nous rendre dans commentaires et cliquer ici sur zone de texte. Nous allons insérer une zone de texte. Donc nous allons venir ici dessiner notre zone de texte. Le processus est le même. Vous voyez, lorsque vous dessinez la zone de texte, ça cache automatiquement ce qui est derrière. Et nous allons cliquer ici sur couleur de craie, puis sélectionner la couleur blanche. Ainsi, notre image a, comme par magie, disparu. Une fois ceci fait, pour pouvoir ajouter votre signature, vous n'avez qu'à cliquer ici sur signer PDF ou bien cliquer sur cet onglet signer PDF. Ici, vous allez cliquer sur créer une signature. Vous avez la possibilité de dessiner vous-même votre signature et de cliquer sur OK pour valider. Et si vous avez mal dessiné, vous pouvez également effacer et reprendre. Ce n'est pas cette option que nous allons utiliser ici, donc nous allons cliquer sur annuler et ici nous allons cliquer sur importer un fichier. Nous allons sélectionner notre signature que nous avons dessinée sur un format et que nous avons numérisé, puis nous allons cliquer sur ouvrir. Nous voyons notre signature apparaître ici, puis nous allons cliquer sur enregistrer et déposer notre signature là. Vous voyez, la signature s'ajoute automatiquement ici. C'était tout pour cette vidéo les amis, nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.